te souviens du Vallon Obscur? J'y étais déjà allé et je t'en ai fait découvrir quelques coins sympas. Mais cette fois, c'est différent. Un de mes abonnés, Laurent, m'a lancé un défi. Aller encore plus loin, explorer des zones que je n'ai jamais vues. Je n'ai pas pu refuser une telle proposition. Non, on part aventure ensemble. Le fameux pôle à bois. Et normalement, il devait y avoir un coffre un peu plus loin, si mes souvenirs sont bons. Alors là, le dilemme, on a un croisement. La toute première fois que je suis venu là, je me suis paumé. J'ai pris le mauvais chemin. On est tombé sur un vallon pourri, assez marécageux. Donc c'est derrière. Oula, je ne sais plus. Bon, pour Laurent, c'est le bon chemin. Donc on va le suivre. J'ai un doute. Ah non, mais non, il y a que ça là. Hein. T'as raison, c'est là. C'est bon, je reconnais le... l'incurvé là. Bon, Laurent avait raison. Vas-y, bon, si tu veux. Tu sens cette fraîcheur? Ouais. Y a un petit vent frais là. Ah, je vais mieux prendre la faute sur la gueule. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est ça, c'est génial. Là, tu vois, ça vaut quand même le coup de mettre les pieds dans l'eau, de marcher un peu. C'est comme des petites dents. Ah oui, là oui. Là ça va être drôle là. Ah ça va, ça passe tout seul en fait. C'est magnifique. Ah, ça dirait du chou-fleur. Ah, je te jure, on dirait du chou-fleur. Là. C'est notre fin là. Il y a du fond là. Ouais, c'est un peu de...
L'avantage d'être petit, c'est d'avoir les petits. Ah, ouais! Non, j'ai pas vu le faire, regardez. Le tout, c'est d'avoir la bonne accroche, ok? C'est bon, c'est passé. C'est bon. Bon, le plus vite, c'est. Parce que ça. Ah, c'est pour descendre que ça va être drôle. Tu as vu cette structure musculaire démolée? Juste enlever le téléphone de la poche, parce que là je crois que les coucougnettes elles vont y passer dans vous. Je crois que j'ai enlevé tout ce qui est fragile de la poche. Je voulais pas les mouiller, mais là j'ai pas le choix. C'est parti. Hein. J'ai pas envie. Ah, j'ai pas envie. Je veux pas mouiller les bijoux de famille, mais j'ai pas le choix là. Allez. Ah, ça va. En se mettant sur la pointe des pieds, ça passe. Ah, pour toi, c'est trop fort. Oh. Oh, ouais, ouais, puis non, mais j'aime pas les mouiller. J'aime pas mouiller cette zone dans le croupi. Non, ça va. Il y a un bout de bois. Oh ben j'ai mouillé j'ai juste le bout. J'ai mouillé que le bout parce qu'il fait froid, parce qu'en temps normal j'aurais touché le fond mec hein. Faut pas se louper là. Hein là, faut pas se louper parce que t'as des branches vachement pointues en bas là. C'est un truc à s'empaler là. À toi carrément, tu pouvais descendre là. Hein. Ah, je vais essayer par là, j'aime bien le risque. Ouais, t'aimes bien le risque. Oui, voilà. Ah, c'est bon. Ouf. Ah, bah ça retourne dans la partie obscure là. Ah, il y a du chaud là. Là, il y a du chaud. Oh. Oh. Ah, je ne vais pas mettre le kiki dans l'eau, c'est trop tard. Hein. Là, il est vraiment dans l'eau. Ouf.
Elle aussi, je vais pas la mettre dans l'eau. C'est trop tard. Il y a carrément un peu trop fort. Allez. Merci de la profondeur. Hein. Voyons, il y a le feu. On va rester sur le tronc, hein, c'est tout safe. La pierre est encore vivante, hein. Quoi ? Si tu fous, c'est plus marqué. C'est pas une pierre, là, parce que tu fous, c'est pas ça. Quoi ? Ça va. Là, si je visque... Ah oui! Ah, tu peux être sorti l'eau, tout en plus, tout en plus. Ouais, sinon. On compte qu'il y a pas mal de décharges sauvages, hein, quand même. Ah, mais si, ça y est, on y est. Ah! Et je me souviens du truc. Hein. Et je me suis dit, vu que je pouvais pas rendre et tout ça, c'est là où ça va être galère. Enfin, galère. Il y a le trou d'armes. Ça, je me souviens. Donc on n'est pas loin. Moi je pense qu'on doit plus être très long du pont là. Hein ? On doit plus être très long du pont. Voilà. Donc on est pas parti. C'est parti là, vu que du pont. Moi je vais prendre les cornes en direct. Ah oui. Oui. Ah oui, ça fait pont. Et t'as juste de chaque côté, t'as des maisons, en fait. D'accord. Voilà, ça me rassure. On est arrivé. Peut-être par là, je pense qu'il y a possibilité. Il y a eu un... À mon avis, ouais, il y a eu un petit glissement de terrain. Ou... Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Bon là on est en galère. On vient tout en bas là. Le problème c'est que il y a des maisons à côté, il y a des propriétés. Et on cherche juste à atteindre la route sans passer dans les propriétés des gens. Et c'est assez délicat. Et là je sais même pas si on n'est pas chez quelqu'un en fait. Je vois la route mais ça va être chaud pour l'atteindre. On est monté trop tôt, donc il fallait continuer un peu plus. Sur le vallon. Bon, on va redescendre. Hein. J'espère qu'on va trouver. Ouais, je la vois, mais c'est pas possible. Pourquoi je me fais à prendre mon sac? Je vais poser aussi. Oui, bah non. Si je te dis que c'est bon, autant que j'ai déjà le sac. J'espère que je le sens. Ouais.
Bon, eh bien, Laurent est parti en éclaireur. On pense avoir trouvé le bon chemin pour rejoindre la route. Bon, j'espère que c'est le bon. J'espère que c'est le bon, qu'on puisse avoir notre bus. Allez, Laurent trouve le bon chemin, c'est bien celui-là. Allez, et ben on va essayer de monter pour se rapprocher de la route et par conséquent d'arrêt de bus. Ah, ça c'est les bonnes branches bien casse-gueule.